Hello, hello, good morning, everyone. Hello, 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 hello. How are you today? How are you today? Good morning. Good morning. Nobody's there. Oh, I'm sorry. Good morning, little 5 a.m. rise and shine. It's time to wake up. Hello. Good morning, Charlotte. How are you today? Good morning. Good morning. I'm fine. Thank you very much. I'm fine. Thank you. Good. Okay. Good morning, Lidou. I'm fine. Thank you. Good morning, Ophélie. Good morning, Nolan. Hello, Jérémy. Good morning. Good morning, everyone. Hello, hello. Bah alors, je suis désolée pour hier. Good morning, Soa. Good morning, Mathieu. Hello. Bon, j'espère que ça vous a pas trop perturbé dans vos... dans votre organisation du planning, mais c'était pas possible. Voilà, c'était pas possible du tout. Donc maintenant, c'est bon, je suis en pleine forme. Alors c'est parfait, on peut reprendre comme il faut. Ah ben, on aurait été en cours hier, c'est clair que hier matin, vous n'auriez pas eu anglais, hein, ça c'est sûr. Ok, allez, hop, on y va, let's go. Mais donc, ça va vous faire un cours aujourd'hui, puis un cours demain. Bon, c'est pas grave, de toute façon, dans l'absolu, même en classe normale, on a des cours des fois du jour pour le lendemain. Donc c'est pas un souci. Oui, je vais mieux, je te remercie, Charlotte. Thank you. Donc, rien à voir avec good morning, my hello. Donc, rien à voir avec le Covid, le machin. N'allez pas dire « Ah, là, là, là. Voilà. Ah, ok. Ok, good. Allez, on attaque. On attaque, on continue. Alors, j'ai vu qu'il y en a qui revenaient la semaine prochaine. Certains, donc c'est super. Alors, on ne se verra pas parce qu'en fait, on nous a mis des groupes et il y a eu un petit souci... c'était tellement compliqué à gérer cette histoire d'enfants qui reviennent et des questions de sécurité aussi, votre sécurité et notre sécurité. Donc, c'était pas facile de faire les groupes, de savoir qui faisait quoi et quand et où. Donc, du coup, il y a eu un petit raté. Et en fait, les élèves que j'ai d'habitude, ceux qui se sont inscrits, donc il y en a 7 ou 8 ou 9, je crois, principalement de 5e, 6. Après, peu importe, hein. Ben je ne vous surveillerai pas, donc c'est pas très grave, ça sera quelqu'un d'autre. De toute façon, j'aurais pas pu vous faire cours parce que on fait pas cours, d'accord? On vous aide à faire les devoirs, on fait pas cours. Ok, oui, j'ai vu Ophélie, toi tu reviens. Oui, j'ai vu. Oh, j'ai pas les noms en tête, j'ai pas noté les noms, mais voilà, il y en a quelques-uns qui reviennent. Ben, c'est bien, on vous aidera à faire les professeurs qui s'occuperont de vous, vous aideront à faire les devoirs. Donc c'est bien, vous serez plus tout seul, même si à la maison il y a papa, maman ou d'autres personnes. Mais papa, maman, à moins qu'ils soient profs, et vous n'êtes pas tous des enfants de professeurs. Donc voilà, là ça va être différent. Ok, allez, hop, on y va, on attaque. Alors, notre fameux... Ah bah tiens, allez, première question. Comment s'appelle le temps que l'on est en train d'étudier depuis 2-3 séances? Comment il s'appelle ce temps? Allez, je vous attends. Yes, good. Yes, il s'appelle, good, very good, le prétérit. Voilà, tout à fait, il s'appelle le prétérit. Alors, c'est un temps
qui a quelle valeur? Est-ce qu'il a la valeur du présent, du passé ou du futur? Quelle valeur représente ce temps? Le présent, le passé ou le futur? Je vous attends. Good. Alors, quelle valeur a ce temps? Est-ce qu'il a valeur de présent, de passé ou de futur? Good morning, Elias. Yes. Ce temps représente le passé, d'accord? Pas le présent, ni le futur. Ce temps représente le passé. C'est pas grave, Elias. Ne t'inquiète pas, vous avez le droit d'être en retard. Dans des situations pareilles. Ce temps est un temps du passé. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, attention, Maë, c'est un temps du passé. OK. Alors, la dernière fois, on a vu un premier type de verbe. Alors, ça s'appelle les verbes comment. Il y a deux types de verbes au passé en anglais. Il y a les verbes blabla et les verbes blabla. Nous, pour l'instant, on a vu les verbes blabla. Alors, ils s'appellent comment ces verbes? Est-ce que vous vous en rappelez? Non, vous ne vous rappelez plus? Alors, il y a peut-être aussi du... Ah bon, voilà, ça arrive. Yes. Il y avait l'orage, là, il y a 2 minutes. J'ai entendu le tonnerre il y a 2 minutes. Donc, du coup... Alors, ce sont les verbes... Je redirai ça m'énerve. Ce sont les verbes réguliers. Faites bien attention. Ce sont les verbes réguliers. Pour l'instant, on n'a vu que les verbes régulier. D'accord? Pas irrégulier. Irrégulier, vous ne pouvez pas l'inventer, il faudra que je vous donne une liste. Donc, tant que vous n'avez pas la liste, vous ne pouvez pas dire qu'on les a vus. Donc, ce sont des verbes réguliers. Alors, pour construire un verbe au passé, pour construire un verbe régulier au passé, à la forme affirmative, exemple. J'ai regardé, nous avons acheté, il a mangé, tu as bu, voilà, ce genre de, voilà, nous nagions, nous, voilà, donc j'ai pris des verbes au hasard. Comment est-ce qu'on fait pour conjuguer les verbes à la forme affirmative au passé quand le verbe est régulier? Yes, exactly. Il faut rajouter quelque chose à la fin du verbe. Voilà, very good. Il faut rajouter ED. J'espère que tout le monde a bien compris ça, qu'à la forme affirmative, au passé, voilà, quand le verbe est régulier, on ajoute ED. C'est pas compliqué à comprendre, ni à se rappeler. La petite difficulté qu'il va y avoir, c'est comment prononcer ce ED. Comment est-ce qu'on va prononcer ce ED? Donc la dernière fois, je vous avais expliqué, on avait fait ensemble avec les sons P, F, K, X, compagnie. Et donc, pour aujourd'hui, vous deviez faire... Alors moi, je l'ai en 2 morceaux. Voilà, tac et tac. Je l'ai en 2 morceaux. Vous, je vous l'ai mis en 1 seul morceau sur votre pronote. Donc, en fait, avec la leçon de la semaine dernière, vous deviez essayer de trouver la bonne prononciation des ED. Alors, ce n'est pas évident. Je sais très bien, ce n'est pas facile. Et je sais très bien, parce que je viens de m'en rappeler maintenant, que je devais vous mettre une petite vidéo sur YouTube.
Il y en a plein, je vous l'avais dit, qui font des cours comme ça. C'est des professionnels des vidéos aussi, hein. Je ne pense pas que ce soit des profs à la base, ça m'étonnerait. Donc, j'ai oublié, eh bien, c'est pas grave, quand j'y penserai, je le ferai. Alors, normalement, vous n'avez pas besoin de vidéo, hein. Avec mon cours, ça doit suffire quand même. Je maîtrise un petit peu. Alors, donc, le plus dur, donc je vous disais, c'est de bien prononcer ces ED et de prendre les bonnes habitudes maintenant pour éviter qu'en quatrième, quand on vous fait lire ou quand vous parlez, et qu'en troisième aussi, vous vous retrouviez avec une prononciation des ED qui est du grand n'importe quoi. Alors, hop, on commence. On va commencer par celle-là. Hop. Alors, pour info, d'habitude, je la donne en contrôle, mais pas au bout de deux fois. Donc, voilà, c'est ce que vos camarades de l'année prochaine, les sixièmes de maintenant, que j'aurai peut-être en cinquième à la rentrée de septembre, c'est ce qu'ils auront en contrôle en 2021. Alors, écoute les verbes. Bon, ça, évidemment, vous ne pouviez pas les écouter. Donc, il fallait faire ça tout seul. Coche les cases selon la prononciation de la terminaison ED suivant. Et alors, je vous demandais avant, pour voir si vous aviez bien compris, je vous demandais d'abord de donner la base verbale. Parce que c'est à partir de la base verbale, c'est à partir du son de la finale de la base verbale que l'on peut déterminer si le ED se prononce T, D ou ID. Alors, on y va. Number one. Allez, eh ben, si vous voulez, vous m'écrivez la base verbale et après, vous mettez T, D ou ID. Allez, je vous attends. Alors, Ophélie, je ne suis pas d'accord. Lilou, yes. Maë, good. Charlotte, no. Donc, en fait, ce qu'il fallait que vous fassiez pour ce genre d'exercice, c'était trouver donc la base verbale. On est d'accord que la base verbale pour le premier, c'est look. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez tous écrit look pour la base verbale. Et look se termine par le son k. Et quand on regarde dans votre cahier ce que vous avez dû écrire normalement, ce que moi, j'avais écrit dans le fil du chat, quand le son de la finale de la base verbale est K, alors le D se prononce T. Voilà, exactement. Donc, Ophélie, attention, Lilou, yes, Maë, yes, Charlotte, Charlotte, tu t'es trompée sur ton ordi, ok, yes. Donc, ça nous fait looked, looked. Donc, vous deviez cocher la première case. Ok, allez, deuxième. Alors, deuxième, donc c'est... je vais vous les donner à chaque fois, les bases verbales. Donc, le deuxième, je ne peux pas vous le lire parce que sinon, je vous donne la réponse. Donc, la base verbale, sauf si vous êtes plus rapide, la base verbale, c'est clean. Ok, clean. Qui se termine par le son N. Et quand une finale de base verbale se termine par le son N, à ce moment-là, very good, cleaned. Cleaned. Ok, good. Est-ce qu'il y en a qui ont eu la curiosité de chercher quelque part ce que voulait dire le verbe clean? Parce que vous ne le connaissez pas celui-là. Clean, il y en a qui ont cherché? Allez, tous ceux qui me mettent là. Donc, Lilou, good. Ophélie, good. Soit Charlotte, Maë, good. Ilias, good. Alors, effectivement, ça peut vouloir dire propre. Mais là, c'est un verbe. C'est nettoyer, exactement. C'est nettoyer. Mais ça peut vouloir dire propre dans le sens de c'est nettoyer. D'accord ? Mais là, c'est un verbe. Ça veut dire nettoyer, good. Did you clean your room? Est-ce que tu as rangé? Est-ce que tu as nettoyé ta chambre? Ok. Number three. Allez, number three. Qu'avez-vous mis pour number three? Good. Good. Very good.
Donc, la base verbale est effectivement ask, et quand la finale de la base verbale est k, alors le D se prononce, vous avez tout à fait raison, t. Donc, ça nous fait asked. Asked. Alors, ça fait bizarre comme son, on est d'accord. Mais l'anglais a des sons que nous n'avons pas. Forcément, c'est une langue étrangère. Et je vous ai déjà dit, attention, une langue étrangère, il y a étrange dans étrangère. Donc, il y aura forcément des sons qui seront un peu difficiles à prononcer pour nous, mais qui pour eux ne sont pas difficiles. Et nous, il faut vraiment qu'on prenne de bonnes habitudes. Donc, asked. Very good. Allez, number four. Number four. Yes. Good, good. Alors, Lilou, toc, toc, toc. Lilou, tu m'as mis deux verbes. Alors, à ta première réponse, tu avais juste et là, pas ask. Hein. Good, ok. Allez, number four. Donc, la base verbale est kill et le son de la finale est l. Donc, celui-là, on n'avait pas mis d'exemple parce qu'il y en avait trop. C'était la dernière partie, si vous vous rappelez bien. Si vous regardez dans votre cahier, là, c'est toujours en numéro 3, enfin la dernière partie. Donc, c'est de. Donc, ça nous fait killed. Killed. Donc, pour l'instant, on a te, looked, cleaned, de, asked. Killed. Allez, next one, number five. Number five. Eh bien, Soa, pourquoi tu as retiré ton message? Bon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis ces petits? Donc, Ophélie, killed, good. Lilou, killed, Ilias, good. Soa, good. Charlotte, good. Maë, good. Allez, c'est parfait ce qui arrive. Donc, protest, la base verbale est protest. Et quand on a une base verbale dont le son de la finale est te, alors le ED se prononce id. Ça nous fait protested. 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 Good. Allez, next one, number six. Number six. Que m'avez-vous mis pour celui-là? Good, good. Alors, Lilou, yes, Soa, good, Ilias, good. Attention, Ophélie et Charlotte. Attention, Maë, good. Alors, donc, la base verbale, c'est close. D'accord? Close. Close the door. Close. Le son de la finale est z. Close. Le son de la finale est z. Quand le son de la finale d'une base verbale est z, alors le D se prononce de, ce qui nous fait closed. Closed. Donc, avec le son de. Alors, il se peut très bien que vous l'ayez mal lu en base verbale, que vous l'ayez mal prononcé en base verbale, ceux qui ont fait l'erreur avec le te. Parce que si vous le lisez close, effectivement, c'est le son s. Et le son s, ça se prononce en te. Là, vous avez raison. Donc, vous avez raison dans votre erreur, vous avez une logique, vous avez eu un raisonnement logique, seulement vous êtes parti d'une base fausse. Ça peut arriver, hein, dans plein de choses, ça peut arriver. Donc, du coup, bah, le résultat est faux. Donc, attention. Donc, close, c'est le son z. Donc, closed. Allez, next one. Good morning, Baptiste. Alors, Baptiste, on en est à corriger cette fiche-là, là. On en est là, Baptiste. Et on en est à.
On en est au verbe numéro 7. Allez, on y va. Donc, ça nous fait... Allez, ça, attention à l'écriture de la base verbale. Donc, good, Ilias good, Lilou good, Maë good, Charlotte good et Ophélie good. Alors, la base verbale, c'est wash sans le E. Sans le E. Wash. Wash. Et quand le son de la finale de la base verbale est sh, alors le ED se prononce t, ce qui va nous faire washed. Ce qui nous fait washed. Good. OK. Allez, next one. Number 8. Number 8. Good. Allez, on y va. Donc, Ilias, good. Attention, il faut un E à la base verbale. Lilou, good. Charlotte, OK. Maë, jamais d'accent en anglais et il faut un E à la base verbale. Attention, Ophélie. Et Matt, il faut un E à la base verbale. Donc, la base verbale, create, create, avec un E à la fin, create, avec un E. Et donc, quand le son de la finale de la base verbale est T, create, alors le ED se prononce ID, created, created. C'est la correction automatique de l'ordinateur. Ah, d'accord. Ah ben oui, bien sûr, oui, oui, il va te corriger en français, oui, bien sûr. Bon, OK, donc si c'est ça, voilà. OK. Next one. Next one, next one, next one. Good. 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 OK, so, alors, very good. Alors, Lilou, good. Ophélie, good. Ilias, good. Maë, good. OK, donc, on a, le verbe live. Soa, good. Et Matt aussi, good. OK, donc, on a le verbe live. Alors, ça, je vous avais dit, attention à bien prononcer celui-là. Parce que vous avez tendance à dire live, et je vous avais dit il y a quelques semaines déjà, normalement vous devriez vous en rappeler, ce qui est live, ce sont seulement les concerts. Les concerts sont en live, d'accord ? Ou en différé quand on ne peut pas les voir. Mais bon, il n'y a que dans ce cas-là qu'on dit live, quand quelque chose est en direct, c'est live. Le reste, pour la prononciation, c'est live. Donc, ce qui nous fait donc le verbe live, avec le E, vous me l'avez tous mis, yes, live. Et quand le son de la finale de la base verbale est V, alors le ED se prononce D, et ça nous fait lived. Lived. Et donc, petit message. Alors, pour ceux qui avaient fait l'erreur dans leur biographie, est-ce que j'ai mis les... Je ne sais plus si je vous ai mis les notes des biographies. J'ai un doute, là. Je ne sais plus. Bon, ce n'est pas grave, je regarderai sur Pronote. Donc, ça nous fait « lived ». « Lived ». Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'attention, quand dans vos biographies, parce que j'en ai reçu une hier, avec un peu de retard, mais j'avais demandé de refaire, je crois. Bon, pas très grave. Il a vécu à Paris, à Marseille, à Rome, on s'en fiche. Il a vécu, elle a vécu, nous avons vécu. Il vivait, etc. C'est he, you, they, peu importe le sujet, lived. Il n'y a pas de
d'auxiliaire entre le sujet et le verbe en ED en anglais. Il n'y en a pas. Donc, « he was lived » n'existe pas. « He was died » n'existe pas. « He lived, he died. » Voilà, Maë, c'était pour toi. Donc, allez, next one. Allez, on y va. Good. Allez, ça nous fait donc la base verbale divide avec un E à la fin. Voilà, on ne peut pas les inventer non plus et puis vous ne pouvez pas forcément vous en douter. Donc, avec un E à la fin, divide. Donc, vous rajouterez bien le mot, la lettre E dans vos cahiers si vous l'avez oublié. Donc, divide et qui nous fait quand le son de la finale de la base verbale est « de »,« divide », alors le « ed » se prononce « id »,« divided », »,« divided ». Ok. Donc, Lilou, good pour la prononciation. Ah, et tu as bien écrit la base verbale. Ophélie, prononciation good. Maï, attention, la base verbale, il faut un « e ». Et Ilias aussi. Ok. Allez, the next one. Ah, divide. Alors, à votre avis, ça veut dire quoi, divide? C'est pas très compliqué à comprendre. Hein. Je ne vous ai pas posé pour les autres, mais pour les autres, c'était assez facile. Donc, divide, ça veut dire diviser. Voilà, allez, je vous le dis. Allez, l'avant-avant-dernier, the next one. Yes. Ah, attention, Maë. Donc, la base verbale est good. Elias, ok. La base verbale est appear. Appear. Donc, cette fois, sans le E à la fin. Bah oui. Donc, appear sans le E, donc attention Lilou, et voilà. Appear. Appear se termine par le son E, avec un R, re, E, appear, E. Quand le son de la finale de la base verbale est E, donc c'est-à-dire qu'il n'appartient pas ni à notre groupe 1, ni à notre groupe 2, donc c'est forcément le groupe 3, alors le D se prononce de, ce qui va nous faire appeared. Appeared. Donc, Maë, pas a period, appeared. Attention, Matt. Alors, ta base verbale est écrite correctement, mais attention à la prononciation. Pas a period, appeared. Oui, Mathieu, pardon, excuse-moi. Bah, t'as écrit Matt, alors moi je dis Matt. Hein. Mathieu, pardon, oui. Donc, appeared. Et appeared, enfin la base verbale appear veut dire apparaître. Apparaître. Allez, l'avant-dernier, the one before last. The one before last. Allez, celui-là. Que m'avez-vous dit pour le dernier? Ah, oh, good morning, Tony. Good morning. On en est à... Alors, donc, c'est cette fiche-là et on en est à l'avant-dernier. On en est à l'avant-dernier.
Alors, que m'avez-vous mis pour ben, l'avant-dernier? Ah, peut-être un petit bug de connexion parce que normalement, vous écrivez tous assez rapidement. Ah, ben voilà, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Alors, Ophélie, good, c'est la bonne prononciation. Good, Nolan. Ah bah Nolan, tu m'as recopié le mot, donc en fait, ça ne me dit pas vraiment ce que tu. Comment tu le prononces? Ah, Tony, tu m'as recopié le mot aussi. Non, ça ne faut pas me recopier le mot. Ah voilà, Nolan, c'est mieux. OK. Voilà. Alors, donc, nous avons ce mot-là. La base verbale est bien sûr die. Good morning, Giacomo. Good morning. On en est à l'avant-dernier. On en est à l'avant-dernier. Donc, la base verbale, ben, je vais vous l'écrire parce que comme il n'y a pas beaucoup. Comme je n'ai pas beaucoup de réponses sur celui-là, ne le saviez-vous pas. Donc la base verbale, c'est die. Et quand le son de la finale de la base verbale est I, ça peut arriver, bah, die, alors le ED se prononce de, ce qui va nous faire died. Died. Comme dans la feuille, comme dans ce que je vous avais demandé de copier. Attention, donc he lived in Paris, he died in Rome. Il est mort à Rome. He died in Rome. Pas d'auxiliaire entre le sujet et le verbe en ED en anglais. Jamais. Donc, die. Ah, ok. Ok. D'accord. Allez, le dernier, facile. Facile. Le dernier. OK. Après, Giacomo, et puis même les autres, hein, quand vous écrivez des trucs sur le chat, là. Ben, c'est pas grave si vous avez faux. C'est pas comme si on le faisait depuis 15 ans, quoi. Donc, c'est pas un souci. Vous pouvez écrire des choses fausses aussi, hein. Ça fait deux fois qu'on voit ça. Enfin, c'est la deuxième fois, on l'a vu qu'une fois la semaine dernière. Vous avez tout à fait le droit à l'erreur, hein. Le but, c'est de comprendre vos erreurs et puis de plus les faire après ou de les faire le moins souvent possible pour qu'après ça rentre. Mais voilà, donc vous avez tout à fait le droit d'écrire des choses. Et puis, si vous vous trompez, ben, c'est pas grave. Il faut en apprendre ses erreurs. Donc, le dernier. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis ces petits? Maë, good. Lilou, good. Nolan, good. Ilias, yes. Good, 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 good. Eh ben voilà, c'est parfait tout ça. Good. Donc, la base verbale, c'est want. Et quand le son de la finale de la base verbale est t, alors le d se prononce en. Wanted. C'est bon, ce qui nous fait. Allez. Ce qui nous fait, donc je reprends les colonnes. Donc vérifiez bien que vous avez mis, que vous avez coché au bon endroit. Donc, alors, listen, listen and repeat. Looked, looked, cleaned, cleaned, asked, asked, killed. Killed, protested, protested, closed, closed, washed, washed, created, created, lived, lived, divided, divided, appeared, appeared. Died,
Wanted. 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 OK. Alors, essaie toujours de crachoter. Ah ben non, c'est pas le moment de crachoter. Mais essayez toujours de... Oh, est-ce que je suis drôle. Les « te » et les « de » en anglais ne sont pas les « t » et les « d » français. Nous, on va dire des patates. Les patates, c'est le « t » sec, patate. Si vous dites « patate », ça fait un petit peu bizarre si vous dites « patate ». En anglais, « potatoes ». Donc, ça se crachote toujours un petit peu. Il va peut-être mettre des masques plus que nous, hein, quand même, hein, avec la prononciation là. Donc, n'ayez pas peur d'insister un petit peu plus quand vous faites les te et les de en anglais. Ça se bavouille un peu plus. Alors, la fin de ce premier exercice complète. Alors, donc là, tout le monde a dû compléter la même chose. Si la base verbale se termine par le son te, le prétérit se prononce. Allez, vous m'avez mis quoi? Le prétérit se prononce. Ah bah tiens, vous allez chacun marquer comment se prononce le prétérit et votre exemple à côté. Comme ça, je vérifierai si vous avez bien compris avec... Alors l'exemple, vous pouviez en prendre un de la feuille du dessus ou vous pouviez prendre autre chose. Voilà, peu importe. Allez, mettez-moi un exemple à côté. Enfin, que vous deviez mettre vous en dessous, mais comme ça, c'est fait. Good. OK, good. Donc, si la base verbale... Alors... Lilou, ah oui, mais tu alors bon, déjà, donc si la base verbale se termine par le son te, alors le prétérit se prononce id. Vous avez bien raison. Donc, ce qui nous fait que par exemple, donc Lilou de Mar, Lilou protested, yes, Mae wanted, good, Ilias wanted, good, Nolan created, good, Teddy. Id, avec create, avec un E en base verbale. Fais attention, tu n'étais pas là, tu regarderas le début en replay. Ophélie protested, good. Ou un autre encore, Ilias painted, good. Maintenant, alors, si, donc deuxième partie, si la base verbale se termine par le son de, alors le prétérit se prononce comment? Donc, ce qui veut dire que, alors que je la retrouve, donc Lilou, ton deuxième exemple, de div, de ton deuxième exemple, il va dans mon deuxième exemple à moi, hein, tout en bas. Voilà. Pareil pour Mathieu. Pareil pour Mathieu. Si ton deuxième exemple va, enfin ton deuxième exemple, est-ce que tu m'en avais déjà donné un avant? Non, donc l'exemple que tu m'as donné, Mathieu, il va dans le deuxième. Alors donc, que m'avez-vous mis comme verbe, comme base verbale, qui se termine par le son « de » ? Il n'y a pas des masses non plus, hein ? En général, tout le monde met le même. Donc, si la base verbale se termine par le son « de », alors le prétérit, alors le « ed » du prétérit se prononce « id », bien sûr. Et donc, comme exemple, ben, vous avez « divide ».« Divide », c'est bien le son « de », donc ça nous fait « divided ».« Divided », avec un « voilà, « divide » avec un « e » à la fin. Si vous ne mettez pas le « e » à la fin, là, moi, je lis « divide » et « divide ». Does not exist. Donc, divide avec un E à la fin. Donc, voilà, divide, divided. OK. Bon, est-ce que c'était difficile, ce petit exercice-là? Alors, déjà, j'espère que vous ne l'avez pas fait au hasard, parce que, bon, ce n'est pas le but non plus, hein, voilà.
c'est pas un jeu de hasard, donc il y a une règle à suivre. Donc avec votre cahier, c'est super simple, il fallait regarder juste à quoi ça correspondait. Alors, ceux qui ne viennent pas régulièrement, donc qui n'écrivent pas en même temps que je le dis, quand vous regardez en replay, ça, il n'y a pas de souci, je vous ai déjà dit, vous pouvez regarder en replay, pas venir parce que ceci, cela, mais vous regardez en replay. Et quand vous regardez en replay, notez bien ce que moi je note dans le... Ah, j'allais dire ce que je note dans le chat. Est-ce que le chat apparaît en replay? J'en sais absolument rien, parce que je ne me suis jamais regardé en replay. Bah, notez bien ce que je dis. Voilà, c'est pas compliqué. Ok, donc le chat, donc il y a le chat qui apparaît en replay. Donc du coup, notez bien ce que je marque. Allez, hop, toc. La deuxième partie, donc c'était sur la même fiche, mais bon, moi c'était une petite fiche séparée. Et donc la même chose. Ah ben, de toute façon, là, les séances donc, d'aujourd'hui et celles de demain, puisqu'on se voit demain, ça va être que sur la prononciation des ED. Hein. Après, j'aurai fini et on passera à beaucoup plus compliqué. Mais voilà. Alors, donc, dans le premier exercice, alors, vous aviez en fait, donc vous avez remarqué que vous aviez à chaque fois, donc, tac, 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 les mêmes, d'accord ? Les mêmes verbes conjugués à la forme affirmative au prétérit, d'accord ? Les mêmes verbes réguliers. Simplement, bah, il fallait entourer selon la prononciation des ED. Donc, si vous ne vous êtes pas trompé, vous n'avez pas dû entourer les mêmes verbes ici que là, ni que là. Donc, si vous avez un verbe en commun d'entourer, il y a un truc qui ne va pas. Allez, on y va. Oui, je te remercie, Ilias, c'est gentil. Allez, pour le number one, donc vous deviez entourer les ED prononcés T. Alors, juste pour info, il y en a. Alors, il y en a 5. Est-ce que vous en avez 5 déjà? Allez, si vous en avez 5, vous me les écrivez, ou alors vous pouvez me les écrire juste avec la base verbale, si vous voulez, ça sera peut-être plus rapide. Alors, qu'est-ce qu'elle a marqué, Lilou? Yes, very good, very good. Si tu ne l'as pas fait au hasard, very good. Allez, je vous attends un petit peu les autres. Alors, Maë. Good, Jérémy. Good. Ok, alors, on y va, on corrige. So, I'm going to read the verbs. Yes, j'allais dire yes, Carole. Yes, Giacomo. Donc, on va, I'm going to read the verbs with the ED pronunciation, so you listen and you repeat. Looked, looked, cooked, cooked, liked, liked, jumped, jumped, stopped, stopped. Verbs. Ok, exercise number two. Entoure les ED maintenant, prononcez de. Entoure les ED, prononcez de. Donc, on est bien d'accord que dans l'exercice 2, vous ne devez pas avoir les mêmes entourés que dans l'exercice 1. Allez, je vous laisse un petit peu de temps pour m'écrire tout ça. Je vous dis, moi, combien il y en a. Alors, il y en a combien? Four. There are four verbs. There are four verbs whose pronunciation is de. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Good, okay. Oh, puis elle m'a même mis les crochets qui vont bien, Lilou. Ah, t'es trop fort, toi.
Bon, je chercherai un autre jour. Ah, mais oui, bien sûr, ils sont là, je suis bête. Pff. Ok. Good, ok. Donc, Ilias, good. Lilou, good. Jérémy, good. Ophélie, good. Allez, so, I'm going to read my good. Giacomo, good. Ok, very good. So, I'm going to read the verbs. So, you listen and you repeat. Enjoyed. Thank you, Lilou. Voilà, vous allez me donner des cours. Thank you. Enjoyed. Enjoyed. Covered. Covered. Seemed. Seemed. Opened, opened. Okay. Good. Allez, le numéro 3. Ben, le numéro 3, ce n'était pas compliqué. Le numéro 3, c'était en fait ce qui restait des autres verbes, les verbes qui n'avaient pas encore été utilisés. Donc là, normalement, il ne doit pas y en rester 3000. How many verbs are left? There are one. Two and three. Yes, exactly. Exactly. Good. Very good. Allez. So I'm going to read the verbs. So you listen and you repeat. Painted, painted. Visited, visited. Wanted, wanted. Allez, ceux qui sont rajoutés. Giacomo, good and Ophélie. Ah, attention, Maë, il y en a en trop. Donc, my painted, good, wanted, good, visited, good, stopped, stopped. It's not good. Stopped goes in the first one. Stopped goes with, entoure les ED prononcés T. Donc, attention, my, tu ne peux pas avoir. Ah, j'avais pas fait attention. Ok, donc ça marche. Est-ce que vous avez compris cette prononciation des ED? Est-ce que ces deux exercices ont été difficiles pour vous avec la leçon? Dites-moi. Là, vous n'avez pas trop le choix que d'apprendre par cœur les deux premières parties. Bon, alors c'est bien. Alors, si c'est un petit peu difficile, bon, je ne le fais jamais qu'en une fois de toute façon. Alors, si c'est un petit peu difficile, il faut vraiment que vous regardiez bien la leçon. Et au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, vous allez imprimer cette prononciation. Le plus important à se rappeler, c'est là où c'est en fait la première partie quand c'est le te et le de, la première partie de ce qu'on avait écrit la dernière fois. C'est-à-dire si le son de la finale de la base verbale est te ou de, alors ça, le son du ED c'est id. Là, il n'y a que deux finales à se rappeler, la finale te et la finale de. Et le reste. Les puffs, machin et compagnie, là. Voilà, bon, bah, ça serait bien de les savoir. Après, tout le reste, c'est tout le reste. Donc, du coup, bon, il n'y a que l'entraînement, de toute façon, qui le fera. Donc, s'il n'y a pas eu de problème, bon, bah, tant mieux. Alors,
Donc, Maë et Baptiste ne décrochaient pas sur cette partie-là. Alors, ce n'est pas une question de grammaire, c'est vraiment une question de prononciation. Donc, essayez de ne pas. Essayez de bien comprendre, de bien refaire les exercices. Et puis, de toute façon, pour demain, alors, je vous montre ce qui se passe pour demain. Alors, allez déjà en ligne sur Pronote, parce que comme aujourd'hui, j'enchaîne, comme hier, bah, je n'ai pas pu faire hier matin. Ce n'était pas possible. Donc, les cours d'hier matin, je les fais ce matin. Et le cours d'hier après-midi, vu qu'hier après-midi, j'étais au collège pour une réunion pour le préparer la semaine prochaine, donc je n'ai pas pu le faire non plus. Donc, aujourd'hui, je peux absolument rien. De 9 à 12, je ne peux rien faire d'autre que de vous parler. Donc, du coup, avant de commencer, j'ai déjà mis en ligne les exercices pour demain. Donc, si vous voulez, après, là, quand on va terminer ensemble, vous pouvez tout de suite, pendant que c'est encore dans votre tête, et c'est ce que je vous conseille de faire, pendant que c'est encore dans votre tête, hop, de faire la fiche d'exercice que je viens, qui est déjà en ligne pour demain sur Pronote. Alors, je vous explique. Donc, il y a plein de petits exercices, c'est pas très très long. Alors, le premier en haut. Alors, le premier en haut, voilà, celui-là, là. Dans chaque série de verbes, trouve l'intrus. Celui dont la finale ED ne se prononce pas comme les autres. Alors, bien sûr, je ne peux pas vous les lire, sinon je vous donne la réponse. Alors, vous avez donc en ligne, vous avez trois verbes. Vous les lisez et vous entourez celui dont le ED est différent des autres. Même chose pour la deuxième ligne. Vous ne les lisez pas en colonne, vous les lisez en ligne. Même chose pour la deuxième ligne, vous les lisez et vous entourez celui qui ne se prononce, dont le ED ne se prononce pas comme les autres. L'intrus, quoi, en fait. Celui qui est différent des autres. Et même chose pour la troisième ligne. D'accord? Donc ça, c'est simple. Mais avant, je vous conseille quand même de relire la leçon, surtout pour ceux qui ne sont pas bien sûrs d'eux, de relire la leçon et puis de bien se repérer par rapport à la finale de la base verbale. D'accord? Ok. Ensuite, vous avez un petit poème à gauche qui s'appelle Tea with the Dragon. Vous lisez ce petit poème-là, tranquille. Donc, il est très simple à comprendre. Alors, pareil, à chaque fois, c'était écoute le poème. Bon, ben voilà, normalement, je suis censée vous le lire en classe. Mais voilà, donc là, vous allez faire ça tout seul. Et donc, vous regardez, vous soulignez les verbes qui se terminent en ED. Tic, 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 tic. Donc, vous surlignez les verbes qui se terminent en ED. Donc, il y a plein de verbes qui se terminent en ED. Vous les prononcez comme il faut. Et ici, vous mettez la base verbale et le verbe avec le D à côté. D'accord? Donc, par exemple, je vais vous faire le premier. Le premier, c'est We visited the dragon. We visited the dragon. Donc, visit se termine par le son T. Donc, le son T, hop, ça fait id. Donc, on cherche la colonne id. On cherche la colonne id. À gauche, on met visited. Et à droite, la base verbale visit. Rien de compliqué non plus. Ensuite, le petit là. Alors, le petit là, donc là, on vous donne les entre crochets, déjà les prononciations du ED. Donc, la première ligne, vous savez que ces trois verbes-là, ils vont se prononcer en id. La deuxième, ils vont se prononcer en de. Et la troisième, ils vont se prononcer en te. Donc là, c'est juste pour vous. Et la dernière, même chose. Alors, à chaque fois, c'est marqué listen, mais bon, vous, ce n'est pas listen, hein, c'est repeat. Donc, vous prononcez ça comme il faut avec le ED et vous cochez. D'accord? Voilà. C'est pas compliqué du tout. Est-ce que vous avez des questions pour les devoirs qu'il y a à faire pour demain, du coup? Donc, pour demain, pour demain, pour demain. Je crois que c'est à 10h, vous, le jeudi, hein. Attendez que je regarde. Jeudi, les cinquièmes, c'est à 10h. Voilà. Donc, alors, ça sera la dernière fiche qu'on fera sur la prononciation des ED.
parce que je ne peux pas y rester pendant 15 ans. Normalement, c'est la dernière fiche. Alors, attendez que je regarde 2 secondes. Est-ce que c'est la dernière fiche qu'on fait? Est-ce que c'est la dernière fiche qu'on fait? Oui. Oui, c'est la dernière fiche qu'on fait. Voilà, ce sera la dernière fiche sur les ED. Ben voilà, parce que c'est pas. Donc vous avez la leçon, il n'y a pas de souci. La dernière fiche qu'on fait sur les ED, je vais essayer de voir si je ne peux pas trouver un moyen facile pour vous de vous enregistrer avec une liste de verbes et de me l'envoyer. Mais il faut que ça soit facile parce que je sais que des fois, vous ne maîtrisez pas tout bien comme il faut. Et donc, je vais essayer de voir un truc super facile. En classe, vous me l'auriez fait un par un. Là, c'est un peu compliqué. Donc, cette fiche-là pour demain. Et ensuite, donc, petite question, est-ce que, bon, je vous la pose à vous tout de suite, je peux faire ça sur Pronote avec les collègues, mais bon, puisque vous êtes là, vous allez me dire, est-ce qu'il y a d'autres professeurs de vos classes, donc, qui font des visios, comme on fait, peu importe, avec Discord, avec Zoom, avec YouTube, est-ce qu'il y en a d'autres avec lesquels vous êtes impliqués dans ce genre de système? Parce que du coup, il va falloir qu'on trouve... Il va falloir qu'on trouve... bye bye Charlotte. Il va falloir qu'on trouve un créneau. Donc, je vous suggère, s'il n'y a pas d'autres professeurs, alors c'est parfait. Donc, ça sera le lundi, les enfants. Donc, il n'y aura plus... Ah, Madame Charbonnel, ok. Oui, mais Madame Charbonnel, elle ne fait pas en live. Donc, voilà. Alors oui, je sais, je l'ai vue. Elle fait pas en live. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas très, très grave. Donc, on va faire... Donc, le mardi, il n'y a plus cours le mardi. C'est fini. On va mettre ça au lundi. Donc, le lundi et le jeudi. Le lundi et le jeudi. Bah oui, parce que sinon, si je fais ça mercredi, jeudi, ça fait un peu just. Le vendredi, je travaille au collège. Donc, c'est pas possible. Alors, bye bye à ceux qui s'en vont. Bon, j'ai pas fini de parler, mais bon, c'est pas très, très grave. Donc, on va mettre au lieu, donc le lundi à 9h. Voilà. Le lundi à 9h, les cinquièmes. Et voilà, j'ai pas trop. Madame Morino nous a envoyé un mot. Alors, je verrai avec elle. Bon, on se voit jeudi, on se voit demain déjà. Et je vous confirme demain. Allez, bye bye, bye bye, bye bye. See you, take care and don't forget. Ça, vous allez l'entendre au collège pour ceux qui reviennent. Don't forget, wash your hands, sneeze or cough in your elbow, keep your social distance, be good and take care. Bye bye.